Alors, quand on est issu de l'opposition de gauche, on fait partie d'une communauté des opposants. On essaie de trouver des contacts et des amis, on se fait des amis de ce milieu-là. Mais alors qu'ils soient d'origine kurde, arménienne et autres, on ne tient pas trop compte de la ville natale d'origine quand on est opposant. Mon papa était de gauche, mais sinon il venait d'une famille très conservateur. Ma mère, c'est pareil. Oui. Mes grands-parents faisaient leurs prières, ils allaient à la mosquée, ils faisaient leur ramadan. Ils avaient peur des Kurdes, ils avaient peur des minorités, ils les craignaient. Et c'était ça, mais c'était pas plus que ça. En même temps, ils pouvaient être ouverts. Quand ils allaient dans des grandes villes en Turquie, ils savaient enlever leur voile et s'adapter un peu. Maintenant, je pense que ça n'a plus la même définition dans la Turquie actuelle. Être conservateur, ça va beaucoup plus loin. C'est beaucoup plus imposer sa manière de vivre sa religion, alors que ce n'était pas le cas à l'époque de mes parents, dans la Turquie militaire de mes parents. Et Erdogan en a été une belle preuve. Il a pu tenir un discours et dire tout le contraire très vite. Et donc, ses promesses, oui, on voyait bien que c'était pour répondre à un besoin particulier du moment. Et là, maintenant, actuellement, je suis d'accord, on est en train de vivre une période de fascisation assez terrifiante de la Turquie. Au niveau international, on le sent confiant, on ne le sent pas mis à mal ni par l'Europe, ni par d'autres pouvoirs, mais peut-être plus fragilisé par les pouvoirs d'opposition interne. On sent que à tout moment, il prévoit peut-être que le bateau coule et qu'il soit obligé peut-être de partir. On sent sa fragilité interne, mais ça ne l'empêche pas d'aller très loin dans la répression.